Salut les petits loups, je vous retrouve aujourd'hui pour mon point lecture du mois d'avril. Et malgré mes partiels, j'ai pas mal lu, puisque j'ai lu 5 livres. Mais aujourd'hui, je vais vous en présenter que 4, parce que comme vous le savez, je suis très bavarde, et du coup, ça va être trop long. Mais je vous présenterai le 5e mi-mai, puisque je vous ferai très certainement un point lecture dès mi-mai, puisque je suis en vacances, et que j'ai le temps de lire ce que je veux. Donc voilà, c'est parti. Sujet 375 de Nikki Owen, publié aux éditions Super 8. On va suivre Maria, une femme d'une trentaine d'années qui est accusée du meurtre d'un prêtre. Et voilà, tout porte à croire qu'elle l'a assassiné, que ce soit son alibi, que ce soit son ADN sur les lieux du crime, etc. Et donc elle va être très rapidement incarcérée. Elle va donc tenter de prouver son innocence et elle va entamer une espèce d'enquête en prison. La particularité de cette femme, c'est qu'elle est atteinte du syndrome d'Asperger. Alors je vais vous mettre une définition officielle juste là, mais moi de ce que j'en ai compris à travers le personnage, c'est que ce sont des personnes qui ont une vision du monde totalement différente de la nôtre, qui vont analyser les choses à travers des chiffres, des codes, des nombres, etc. Qui vont avoir du mal à faire le... à discerner le vrai du faux, la réalité de la fiction, etc. qui vont avoir du mal à comprendre les sentiments et les émotions des autres. Et c'est vraiment l'idée principale de Nikki Owen que j'apprécie vraiment dans ce livre. C'est ce processus de narration très différent puisque c'est Maria qui nous raconte l'évolution de son enquête et qui, voilà, on vit à travers cette différence, on vit dans l'esprit de Maria et je trouve que c'était une super idée de la part de l'auteur. Voilà, c'est un thriller psychologique, donc c'est censé nous tenir en haleine, etc. Et c'est vrai que on change tout le temps d'avis, en fait, à travers elle, à travers Maria, puisque Maria est incapable de se souvenir si elle a réellement tué ce prêtre ou pas. Et donc nous, on change d'avis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, un coup on se dit, elle l'a tué, un autre moment on se dit, bah c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est... ça tient en haleine, ça se lit très très rapidement, c'est écrit assez gros finalement. J'ai quand même été déçue de la fin qui je trouve a été bâclée par rapport au reste du récit. Maintenant ça vaut le coup de se plonger dedans juste pour l'originalité de... Voilà, de l'idée. Et voilà, je vous le conseille vivement si vous aimez les thrillers psychologiques, si vous aimez les personnages un petit peu différents de ce qu'on peut voir d'habitude. Et voilà. Pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce livre, il y a écrit derrière qu'il va être adapté en série télé, donc moi je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. J'ai pas de date, je vous avoue que j'ai pas fait de recherche. Le but c'est quand même de vous parler de ce livre avant même que ce soit sorti à la télé. Mais voilà, je vous le conseille vraiment, c'est une lecture sympa, originale, et voilà, moi ça, en tout cas ça m'a... amené à me poser des questions sur ce syndrome je suis quelqu'un de très curieux donc je suis allée voir tout ce qu'on pouvait dire là-dessus et ça vaut le coup vraiment. J'ai ensuite lu Les Nuits de Scheherazade, tome 1 captif de René Hadier, publié aux éditions Hachette. On va suivre une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Scheherazade et qui va épouser, qui est sur le point d'épouser le calife le plus puissant de la région. Et on se rend compte très rapidement que ce calife a l'habitude de tuer ses épouses la nuit de leur mariage. Voilà, qu'elles ne survivent jamais, jamais à l'aube. Et Scheherazade s'est portée volontaire pour épouser ce calife. L'idée c'est qu'elle s'est portée volontaire pour venger sa meilleure amie qui, quelques semaines plus tôt, a été l'épouse du calife et qui en est morte. Et elle va tenter, voilà, de découvrir ce qu'il cache et de se venger. Encore faut-il qu'elle survive à la première nuit. Alors c'est un livre que j'ai pas mal vu tourner sur... enfin pas mal, je l'ai vu sur 2-3 chaînes et c'est vrai que c'est une histoire qui a plutôt plu et moi j'ai été très intriguée rapidement par le résumé, par le portrait qu'en ont fait les booktubeurs que j'ai vus. Et donc malheureusement j'ai placé la barre un petit peu haute. Dans le sens où j'ai vraiment passé un bon moment, je me suis pas spécialement ennuyée ni rien. Mais j'ai été déçue, voilà, j'ai été déçue parce que j'en attendais trop, donc j'ai pas été déçue de l'histoire de manière générale, j'ai été déçue parce que j'en attendais beaucoup de ce livre, et finalement je me suis un petit peu plantée, voilà. Ce qui m'a principalement dérangée dans ce livre, c'est que je suis quelqu'un de
enfin voilà, je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très curieuse et c'est vrai que je suis très attirée par la culture maghrébine, que ce soit par l'ambiance, la musique, la nourriture, les parfums, les épices, les costumes, la langue, la musique, voilà, il y a tout qui me plaît dans cette culture et quand je me plonge dans un livre, j'ai vraiment besoin de m'y retrouver, j'ai besoin de faire une immersion complète et là, ça l'a pas fait du tout dans le sens où j'ai pas du tout ressenti, voilà, j'ai pas eu un background, j'ai pas eu un fond de musique dans mon esprit, etc., qui a fait que je m'y sentais vraiment. Donc ça m'a un petit peu embêtée. Et la deuxième chose qui m'a embêtée, ça c'est un schéma assez général dans Young Adult, voilà, c'est pas le cas de tout, mais ça arrive souvent, c'est que Sherazade est censée avoir 16 ans, et pour moi, on suit pas du tout une jeune fille de 16 ans, mais une jeune femme de 20 ans. Plutôt dans ces eaux-là. Voilà, moi ça m'aurait moins surprise qu'on me dise c'est voilà, c'est Sherazade, elle a 20 ans. Parce que, attention, je dis pas qu'à 16 ans on peut pas être mature, qu'on peut pas avoir une certaine expérience, qu'on peut pas avoir un caractère bien défini, loin de là, je suis passée par là, j'ai eu 16 ans, j'ai eu des choses dans ma vie qui font qu'on se forge et qu'on mûrit plus vite que d'autres. Mais voilà, pour moi, Sherazade, elle a un certain recul, un certain discernement, une certaine... Elle met des distances beaucoup, elle a un certain courage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font dans son caractère, dans sa façon d'agir, dans sa façon de penser, qui me font dire que ça peut pas être une jeune fille de 16 ans. C'est juste inconcevable. Pour moi, il y a une certaine expérience. À 16 ans, voilà, on est encore innocent, on est encore très impulsif, on réfléchit pas forcément beaucoup avant d'agir, etc. Et voilà, enfin, c'est un ressenti personnel, c'est pas que dans Captive, c'est aussi dans d'autres livres que j'ai lus des young adultes, et souvent les jeunes filles ont 16 ans et c'est tout à fait légitime puisque c'est du young adulte, c'est censé être pour elles et donc il faut qu'il y ait une certaine proximité et identification avec le lecteur. Mais moi ça me dérange beaucoup de lire des héroïnes qui sont censées avoir 16 ans et qui en paraissent 20 voire 25 quoi, donc voilà, ça m'a dérangée, mais bon, je le redis, dans l'ensemble j'ai passé un bon moment, je sais que le tome 2 est sorti là au mois d'avril, est-ce que je le lirai, disons j'ai d'autres priorités, mais voilà, si vous aimez Young Adult, si vous aimez un petit peu la culture maghrébine et être plongé dans quelque chose de différents, je vous conseille de vous plonger dans cette histoire, ça peut largement vous plaire, je pense que ça peut vous faire voyager, moi ça n'a pas été le cas, ça n'a pas marché sur moi, mais c'est une lecture agréable, c'est un très joli livre à l'intérieur, vous avez des motifs tout le temps sur les premiers chapitres, donc voilà, c'est un très très bel objet, il n'y a pas de souci. J'aurais dû juste l'emprunter à la bibliothèque au lieu de l'acheter, mais ça, c'est mes erreurs assez courantes. J'ai ensuite lu Tout pour plaire de Ingrid Desjours, publié aux éditions Robert Laffont. Alors, très rapidement, pour vous résumer, c'est l'histoire d'un... En fait, on rentre dans la bulle d'un couple assez banal, on a vachement une relation de domination-soumission entre le mari et la femme. Donc le mari s'appelle David et la femme s'appelle Déborah. On va avoir au début du livre le frère de David qui s'appelle Nicolas qui va débarquer dans la maison du couple avec sa petite fille Emma, sa petite fille de 4 ans et qui va leur annoncer qu'il veut vivre avec eux suite à la disparition de sa femme, la maman d'Emma. Alors je sais pas si c'est très clair, et en fait vous allez avoir l'apparition d'un quatrième personnage qui est Sacha Mendel, qui est un policier qui va enquêter sur la disparition de cette femme. Ingrid Desjours, c'est ma fameuse découverte auteuresque, comme je vous le dis dans le titre. Voilà, j'ai adoré sa plume, je saurais pas vous expliquer pourquoi, comment. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas une écriture poétique, lyrique, etc. Déjà, on se trouve dans un thriller psychologique. C'est quelque chose de très contemporain et de... très aéré, en fait, je saurais même pas comment vous expliquer, juste, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et suite à plusieurs recherches, du coup, sur Ingrid Desjours, je me suis rendu compte que c'était, avant d'être écrivain, elle a été psychologue en sexocriminologie. Et donc, forcément, toute l'histoire porte son sens dans le sens où vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de psychologie, de rapports présents, passés, pourquoi
cette personne a eu tel comportement, pourquoi est-ce que cette personne s'est retrouvée impliquée dans de telles histoires, etc. Je pourrais pas vous en dire plus parce que je veux pas vous en dire plus sur le livre. Mais voilà, donc l'histoire en elle-même, ça m'a plu. J'ai trouvé que ça se lisait rapidement, que c'était assez addictif dans le sens où bon, il n'y a pas un bête de page turner où on a vraiment envie de connaître la suite, mais on n'a pas envie de lâcher le bouquin pour autant, on a envie de comprendre en fait ce qui se passe parce qu'on a cette idée d'enquête avec la disparition de la femme, mais il y a aussi toute une psychologie autour du couple, de la relation de couple, enfin voilà, il y a des relations vraiment très bizarres dans ce livre. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très oppressant dans le sens où, au début, en tout cas, jusqu'à la moitié du livre, on est vachement dans ces quatre personnages, on sort pas trop, on n'en connaît pas trop d'autres. Et voilà, ils ont des relations entre eux vraiment très particulières. C'est très difficile d'avoir de l'empathie pour les personnages d'Ingrid Desjours dans Tout pour plaire. C'est très compliqué, voilà, ils sont... En fait, ils sont très très humanisés. C'est pas du tout des personnages idéalisés, assez... presque parfaits, ou alors... Qui nous donnent envie de leur ressembler. Pas du tout, c'est des personnages de tous les jours, des personnes de tous les jours qui sont... qui sont humains tout simplement, donc c'était très difficile d'avoir de l'empathie pour ces personnages qui sont tous autant agréables que détestables. J'ai eu personnellement un petit attachement pour Sacha Mendel, le détective, que je trouve vraiment attachant et touchant. Et d'ailleurs j'ai hâte de savoir s'il va y avoir une suite, je suis pas sûre, je comprends pas si c'est une fin ouverte ou si c'est une idée de l'auteur d'aller plus loin, de réexploiter un petit peu ce cadre là, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé Ingrid Desjours. Savoir que c'est une spécialiste dans ce domaine, ça me conforte dans mon idée que tout ça est très réaliste, tout ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Et voilà, c'est tout le charme de ce livre et des livres de Ingrid Desjours de manière générale. Elle sait où elle va, elle sait de quoi elle parle. J'ai quand même deviné le dénouement. À la moitié du livre, je me doutais, je pense que c'est à force de lire des thrillers psychologiques, etc., on a un certain schéma qui se construit, où il y a des petites choses qu'on repère rapidement. Donc ça a été mon cas pour Tout pour plaire, puisque j'ai compris à la moitié, vraiment à la moitié du livre, ce qui allait se passer. Maintenant, j'étais pas du tout déçue de la fin, parce qu'il me manquait des éléments, il fallait que je comprenne pourquoi, comment, quand, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le style d'Ingrid Desjours, et je compte vraiment me pencher plus sur cet auteur, acheter d'autres livres d'elle et me plonger dans ces histoires un petit peu parfois sordides et un petit peu gore de temps en temps. Donc âme sensible, c'est pas forcément, ce sera pas forcément votre dada quoi. Alors juste pour la petite anecdote, je voulais pas préciser, ce livre je l'ai acheté au salon du livre à Paris fin mars. Et je suis arrivée sur le stand Robert Laffont. Et voilà, si vous connaissez un minimum la maison d'édition Robert Laffont, vous savez que toutes les couvertures sont trop belles, mais vraiment sans exception. Je vous parle même pas de la collection R. Et voilà, en fait, tous les livres chez Robert Laffont me faisaient des appels de phare. Mais vraiment, achète-moi, achète-moi, achète-moi. Et donc moi, bien évidemment, je pouvais pas tout prendre, donc j'ai pris Tout pour plaire. J'allais payer et au dernier moment je me suis dit non, je vais quand même continuer à regarder. Et j'ai également acheté, donc là cette fois dans la collection R, Caleb de Mira Eljounzir, que je vous présente, voilà. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Et quand j'ai fait des recherches, voilà, c'est les deux seuls livres que j'ai pris chez Robert Laffont. Et quand j'ai fait des recherches sur Ingrid Desjours, je me suis rendu compte qu'elle avait également écrit Caleb sous le pseudo de Mira Eljounzir. Et voilà, je trouve ça, peut-être que vous vous en foutez, mais moi je trouve ça ouf que j'ai pris uniquement deux livres sur chez Robert Laffont, qu'en plus de ça... c'est le même auteur sans que je le sache, et qu'en plus de ça j'ai un coup de cœur
pour cet auteur. Donc voilà, je suis super ravie, je pense que je vais me plonger dans Caleb au mois de mai, je vous en parle très rapidement. Et voilà, j'aime beaucoup les deux bandeaux. De ce côté, on a L'enfer, c'est toujours l'autre. Et de ce côté, on a C'est si bon d'être mauvais. Et enfin, c'est un livre que je vais vous expédier très rapidement. Il s'agit de Forget Tomorrow de Pintip Dunn, publié aux éditions Lumen. On se trouve dans un monde un petit peu dystopique, hein, dans un futur, je sais pas, il n'y a pas vraiment de date, je me souviens pas. Mais en gros, les jeunes gens de 17 ans reçoivent... à leur 17e anniversaire, reçoivent un souvenir de leur futur, donc de leur futur eux. Ce sont eux-mêmes qui s'envoient des souvenirs, pardon. Et donc nous, on va suivre Kali qui va recevoir son souvenir donc lors de son 17e anniversaire. Et elle reçoit un souvenir d'elle en train de tuer sa petite sœur qu'elle adore tant. Et donc, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. J'ai passé un bon moment dans l'ensemble, j'ai eu peur au début parce que ce soit dans le schéma, dans l'histoire, dans les détails, dans les caractères des personnages, j'ai vraiment retrouvé des choses, ça m'a vraiment fait penser à Promise dont je vous avais parlé dans mon point lecture du mois de janvier-février, que je n'avais pas du tout aimé, donc j'ai eu peur au début et puis finalement ça se lit très vite. En fait, pour vous dire, je l'ai lu le week-end avant mes partiels, sachant qu'il fallait que je révise, etc. J'ai quand même réussi à le lire, donc ça se lit vraiment très très rapidement. Et voilà, j'ai passé un bon moment dans l'ensemble. En fait, j'ai un avis assez neutre dans le sens où c'est pas du tout un coup de cœur, mais alors pas du tout. Et j'ai quand même apprécié ma lecture. Donc voilà, je saurais pas trop quoi vous dire de plus en fait, puisque c'est un livre qui a beaucoup tourné sur YouTube. J'ai pas forcément envie de vous saouler avec ça, j'ai pas envie non plus de me saouler, de m'imposer ça non plus. Enfin voilà. Je sais pas s'il y aura un tome 2, je pense. Vu la fin, je pense qu'il y aura un tome 2, je pense que qu'on aura un tome 2 à la fin de l'année. Donc s'il y a un tome 2, je sais pas encore une fois si je le lirai, c'est pas forcément dans mes priorités. En tout cas, je suis quand même contente de l'avoir lu le week-end avant mes partiels parce que c'était une lecture détente, pas du tout prise de tête, pas du tout compliquée à lire. Bon voilà, c'est du young adulte. Vous savez que c'est pas trop mon truc, mais... j'ai passé un bon moment, voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je préfère largement vous parler de livres qu'on ne voit pas ou peu sur YouTube, et ça pour le coup vous pouvez trouver des chroniques et des critiques un peu partout. Donc voilà, sachez juste que je l'ai lu, que j'ai passé un bon moment. Si vous aimez les dystopies, les young adultes, je pense que ça va vous changer un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir. Et encore, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que j'ai pas trop parlé, comme d'habitude encore j'ai dit moins de choses que ce que je voulais vraiment vous dire. Voilà, dans l'ensemble ça a été un bon mois, je suis assez contente de mes lectures et voilà, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous referai un point lecture sûrement mi-mai puisque j'aurai trop de choses à vous présenter à la fin du mois de mai vu que je suis en vacances. J'ai déjà terminé La fille du train de Paola Hawkins. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, s'il y a certaines choses que vous avez lues ou que vous avez envie de lire et que grâce à moi vous allez mettre dans votre wishlist, je l'espère en tout cas. Voilà, pour ma part, je vais continuer à faire des recherches sur Ingrid des jours, que voilà, c'est un petit coup de cœur pour Ingrid. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures.